Information ça li important pour pas perdre même yon vigil la dan. Moi konnen gen un pile immigrant qui nan pays les États-Unis qui pa fil asile mais qui gen yon TPS nan men yo. Gen moun ki konnen yo capable vinn gen résidence avec TPS là mais gen moun tout qui pa jam konn anyen de ça. Et ben jodi a nan vidéo ça même sou te konnen même sou pa te konnen pa perdre yon seconde nan vidéo sa parce que c'est là ou pral tande tout dernier détail de loi sa ki te genyen depuis sous administration Donald Trump et administration Biden nan retourner avec en 2022 justement pour capable bay possibilité avec moun ki gen TPS nan pays les États-Unis pour capable fil pour résidence. Pas oublier ou supposé gen autorisation de voyage lan et ou doit faire yon voyage sous TPS lan comme ça pour capable gagner un autre statut dans pays là. Comment nous y ça fait non pas c'est Wood Asian, un plaisir pour me retrouver dans nouvelle vidéo ça. Moi ça tout remet travail ça. Sou remet travail ça. Ou remet information à tande kounya, quitter un like sous vidéo, quitter un pouce sous vidéo pour montrer qu'on remet travail ça. Pas oublier bon plaisir partage. Partager vidéo ça tout côté, pas qu'embé vidéo ça pourquoi? Parce que là important pour tout immigrant qui prend entrer dans pays les États-Unis et immigrant tout qui déjà a vu sous territoire américain. Pas oublier abonner avec page là et aller abonner avec moi Kounia sur YouTube. Entre de plus détails avec nous avocat dans immigration. Je dis à nous pas parler de yon loi qui t'est passé qui censé nan avantage et bon pour monde qui gagne TPS yo. À l'entrée dans question yon loi qui t'est passé que loi ça li censé nan avantage et monde qui gagne TPS yo qui t'est passé 1er juillet qui était entré en application 1er juillet 2022. OK? Donc loi ça, nous pas l'expliquer qui ça lié, et avant nous expliquer qui ça loi lié, nous pas l'expliquer on bagaille l'ont entré ici ou entré aux États-Unis illégal, ça veut dire passer dans frontière, qui j'en ça lié, qui j'en ça lié dans question que demain c'est devu pour résider dans pays là. Donc yon moun qui entré aux États-Unis, soit c'est ou pas entré par visa ou passer par frontière. Donc immédiatement passer par frontière et on nous dit ou entré illégal. L'entrée illégale aux États-Unis, automatiquement, yo vinn considéré yon moun qui inadmissible pour résidence. Yon moun qui inadmissible pour résidence. Là yo dit yon moun qui inadmissible pour résidence, ça veut dire moun ça pour qualifier pour résider dans pays là. Donc là que on entre illégal, li vinn ran nou inadmissible pour résidence. Ça veut dire si ou vinn yon moun ka fil résidence pour ou bien vinn yon loi qui passe, donc si yon moun ka fil pour résidence pour, gen pile chemin qui pral passer avant parce que faut puisque inadmissible, faut que yo ka gen quelque bagaille, faut que yo retirer sous dossier yo de façon à ce que pour ka venir admissif éligible pour résidence. Si ça fait gen des monde des fois qui entre illégal yo gen moun ka fait pour yo voye application après ça yo deny moun nan. Raison yo deny là parce que question qui te fort inadmissif là li pa jam résoudre. Question te fort inadmissif là li pa jam résoudre. Donc puisque problème ça pa jam résoudre, donc li vinn ran que ou inadmissible et tout autant que ou inadmissible là qu'importe application pour résidence calé sans que pa gen l'autre application yo voye pour yo mande grâce pour ou, ça veut dire gen application qui doit accompagner pour aller pour mande grâce qu'on y a si migration choisi qu'on y a là pour yo choisi pour yo fò grâce qu'on y a pas retirer question inadmissible là sou ou qu'on y a là ou vinn censé éligible pour ka pa bagay résidence là. Après ça sous et dossier inadmissible là toujours été, donc les applications aller qui ça pas passer yo pas deny case là parce yo pas dire inadmissible par rapport avec jonté entré. OK, donc qu'on y a là et nous dit qu'importe monde qui entre illégal, ça veut dire entre illégal aux États-Unis ou automatiquement inadmissible pour résider dans pays là. Donc qui ça que qui vient passer et loi ça que nous dit qui entre en application 1er juillet 2022, qui ça loi ça t'est fait? Loi ça qui ont loi qui était là déjà. Donc sous administration Trump là, yo t'est venu censé
crasé li. Donc et administration Biden a retourné avec lui. Donc nous t'ai parlé ça déjà depuis l'année dernière. Nous t'ai parlé de loi ça, mais nous jugeons pour nous retourner parler de lui parce qu'il y a un pile et citoyens nous yo, compatriotes nous yo qui pas et imbu de ça. Qui pas imbu de ça, spécialement monde qui fait gagner un TPS, même monde qui gagne TPS, qui te gagne TPS déjà, il y a un pile là-dedans qui pas connaît et ça. Donc qui ça que loi ça vignier, qui ça le vignier? Donc qui ça le passé? Ça veut dire yon moun, puis loi dit comme ça que yon moun qui censé gagner TPS et pour te fil travel document et puis ou voyager et pour rentrer dans pays aux États-Unis. Qu'on y a ou voyager ou rentrer d'après loi que immigration te sorti. Donc ou entrer ou sorti ou entrer. Donc les que ou entrer et puis yo mettez sous ça veut dire ou inspecter qu'on y a là qu'on y a qui s'est passé et automatiquement ça vient passer automatiquement premier entretien entre aux États-Unis vient non façon pas vraiment compté qu'on y a vient considéré comme un monde qui entré légal dans le pays yo en d'autres termes un monde qui inspecté yo monde qui inspecté yon monde qui au bail droit ça veut dire qu'on y a là ou vin par inadmissible encore parce que premier entre l'autre entre illégal mais entre ça ou vin entrer légal aux États-Unis puisqu'on entre légal aux États-Unis puisqu'on entre légal donc on y a là qui ça vient passer ou vin ça c'est yon monde qui éligible pour résidence ça vient permettre que si on monde qui a fil pour ou bien yo vin pas son loi à bail résidence ou facile pour joindre résidence ou parce que normalement ou vini ou t'es parti ou déplacé ou bagaille donc gen moun qui en vont déplacer ou capable gen moun qui en vont déplacer ou capable toujours contacter avocat pour qu'on ait est-ce que li safe pour capable déplacer mais loi fait comprendre que une fois que ou gen TPS ou gen travel document OK qu'on y a là ou voyager aller voyager qu'importe pays ça veut dire voyager ou quitter aux États-Unis ou voyager ou à qu'importe pays Haïti Saint-Domingue qu'importe pays a OK l'ovin entrer yo d'accord entrer yo met soa et puis yo ou entrer qu'on y a ou venir au monde qui entrer légal dans pays a et chaque fois ouais que yo censé même forme yo changer même forme yo changer donc ou vient entrer légal dans pays là entrer dans légal nous dit qu'on y a ou vient éligible pour résidence qu'on y a vient facile pour ou ou pas besoin pile parcours pour aller faire pour ou pour question résidence simplement ça qu'a besoin monde qu'a fil pour résidence pour ou donc ou pas le besoin support on ka été bagaille donc même les gon ka été l'autre bagaille qui entre dans ligne de compte parce que sous fait crime et sous fait crime c'est ça qui fait nous encourager gon vidéo que nous t'ai fait nous t'ai montré quelques bagaille qui quand même faut pas joindre et TPS ou aller voir même pour résidence ça veut dire nous toujours encourager et gon ka été bagaille parce que loi changer à tout moment OK donc l'important j'aime dire que ou même qui gagne TPS selon loi ou gagne travel document et n'a pas courage ou pas parce qu'on gagne TPS là pour dire pas le voyager comme ça faut qu'on applique pour travel document et pour faire ça essayez faire le plus tôt possible donc j'en ai là ça veut dire si son bagage ou pas de quoi faire ou besoin faire ou ta doit faire le plus tôt possible ou ta doit faire le plus tôt possible et n'a dit ça gagne 2 ans temps gagne 3 ans temps de documents de voyage. OK, il y a 3 ans de documents de voyage et si me pas trompé moi quoi me font vidéo de ça ou bien n'a bien pour nous font vidéo de ça pour nous expliquer qu'il y a 3 documents de en gros, gagnon que pour 30 jours, gagnon tout son seul voyage qu'a fait sous lui, gagnon nous qu'a fait plusieurs voyages. Donc prends précaution parce que si tout ça qui on seul voyage là ou bien plusieurs voyages, gagne monde qui ca et moun ka pral faire application pour le cas et make sure que parce que gon j'ai application en fait son seul voyage ou vinn ka fait sou des pour fin voyage en seule fois sou li ou pas ka voyage encore donc faut qu'on ait un moun qui connaît qui capable bien
fait document voyage là, côté que ou ka fait plusieurs voyages sur lui, ou ka fait plusieurs voyages sous document voyage là. Donc sous ta, si son bagage ou intéressé ou ta vle que office dit la mes services aide ou pas, ou capable toujours le nom 954 933 7917, ou bien ka qui ton voix un message pour nous dans 954 394 1535. Donc ou ta vle a fait ça, nous gen moun que nous a appliqué pour yo dans moins d'un mois qui rejoignent ça visite nous jour que li dépend, parce que ça qui est important ou besoin faire, pas oublier que en 2024 TPS l'a expiré. Donc n'a tout dit ça, noté gion ka été pays yo té campé yo yo renouvelé yo noté pour son on bagaille de ça. Ça son signe que gain espoir toujours pour nous-mêmes qui gain TPS, gain espoir toujours, même gens que nous on a dit avant que yo té ajouté mon 6 novembre yo. Et nous on dit mon yo comme ça, prend courage, n'a suivre bagaille yo, gain espoir, parce que mon qui fait venir yo qu'on demander nous et qui ça qui gagne pour yo, est-ce qu'il gagne espoir pour yo, et même gens que monde qui vient après et monde qui vient après 6 novembre yo, et donc monde ça yo poko décourager, ou ko décourager, gagne espoir pour nous, gagne espoir pour nous toujours. Donc n'a suivre bagaille yo, n'a suivre bagaille yo, parce que changer nous te dit les que yo pas le bail 6 et yo pas annoncer question 6 novembre nan. Nous te dit de 5 novembre veiller gon bagage qui va tomber, veiller et ou te ouais que ça nous te dit là c'est ça qui est arrivé.